One Love. Bienvenue sur la chaîne d'Adabens, l'art et public en marge. En marge. C'est dans la marge qu'on met les bonnes notes. Bonjour. Bienvenue, donc, comme je le disais. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo. Donc, je me suis dit que j'allais en faire une, là, comme ça, tranquillement. Au réveil, le matin, et j'ai des petits yeux, je viens de me réveiller, tranquille. Voilà quoi. Alors, je vais me faire un choconioc pour le petit-déj. Alors, le choconioc, qu'est-ce que c'est? C'est une recette que j'ai peut-être inventée, je ne sais pas si ça existait quelque part auparavant. Mais c'est un dessert ou un petit-déj ou un goûter que j'ai inventé. Ben, je vous ferai une vidéo avec la recette. Mon fils en raffole, les enfants en raffolent en général. Voilà, ça commence par un petit stick pour remettre d'attaque. Il y a celui d'hier soir qui n'est pas fini. Je viens de rouler un petit stick, mais il y a celui d'hier soir qui n'est pas fini. Alors, je vais finir celui d'hier soir. Et là, j'ai le briquet qui ne finit jamais dans la poche de l'autre fumeur. Bon, truc de plaisanterie. Ben ouais, je fume. Je suis pas content. Ben, comme on dit vulgairement, je vous emmerde. Ou peut-être que vous buvez ou quoi. Moi, je ne bois pas. Je ne vous prends pas la tête. Peut-être que vous sniffez, mais je ne sniffe pas. Je ne vous prends pas la tête. Voilà. Par exemple, vous prenez des médicaments, vous bouffez la malbouffe. Enfin, quoi que si sur la malbouffe, je vous prends la tête. Bon, ceci dit. Donc voilà, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Donc je vais profiter là aujourd'hui pour faire une petite vidéo et répondre à quelques commentaires, peut-être dans cette vidéo, peut-être dans une autre. C'est parce que en fait ma chaîne est en pleine restructuration, parce que j'étais en pleine réflexion, j'ai bien cogité. Sur des tas de choses quant à mon avenir, parce que je suis pas vieux, mais je suis plus jeune. Donc voilà quoi. Moi je suis moitié quoi. J'ai autant de passé que d'avenir derrière, peut-être. Je sais pas. Je suis pas l'éternel, c'est pas moi qui sais quoi. Je sais pas. Donc voilà, je restructure ma chaîne YouTube. Déjà, pourquoi? Parce que même moi, j'ai du mal à m'en sortir dessus, tu vois, parce qu'il y a des gens qui me connaissent pour un seul des aspects de, comment dirais-je, de personnalité, si je puis dire. Enfin, beaucoup ne connaissent qu'une fraction de qui je suis, tu vois. Certains me connaissent par rapport à mon implication dans le mouvement des Gilets jaunes. Certains me connaissent par rapport à mon implication dans le mouvement des êtres humains souverains. Si vous ne connaissez pas, renseignez-vous. Renseignez-vous sur ce qu'est l'afro-nom, l'identité juridique fictive, l'homme de paille. Voilà, je vous ai donné trois mots clés là. Afro-nom, identité juridique fictive ou fiction juridique et homme de paille. Certains me connaissent par rapport à mon implication dans, si je puis dire, le panafricanisme. On est dans un village dans le sud du Sénégal, en Casamance, la communauté rurale de Tengori, à Bignona, en Casamance, donc la Casamance est dans le sud du Sénégal. Certains me connaissent parce que je suis chanteur de reggae. Ils m'ont vu dans des sound systems, ils m'ont vu dans des concerts, ils ont vu des vidéoclips à moi. Certains me connaissent parce que je suis humoriste, bruiteur vocal et human beatbox. Donc j'ai différents spectacles. Oui, j'ai différents spectacles. Donc, certains me connaissent parce que je suis percussionniste.
Et certains me connaissent pour mes lives sur YouTube, justement. Mais voilà, peu de gens connaissent l'ensemble. Mais moi, j'aimerais bien que les gens connaissent l'ensemble. Donc, du coup, voilà aussi pourquoi je restructure ma chaîne en la faisant bien. Je me suis dit au départ, oui, je vais faire d'autres chaînes internet comme ça. Une par. Ah oui, j'ai oublié que je suis, sans vouloir me vanter, un excellent cuisinier. Non, musique, n'importe quoi. Cuisinier en musique, ouais, c'est un peu ça, hein, c'est une sorte de cuisine où il y a des recettes spéciales et tout. Donc je suis. Elle est bonne, on va me dire dans les commentaires. Bon, donc. Voilà, je suis cuisinier, donc. Je cuisine tous les jours, ou presque. Et j'ai de bons plats végés. Parce que moi, je mange pas de cadavre. Voilà, après, chacun mange ce qu'il veut. Ton corps, c'est ta santé, hein. Tu vois, je n'ai parlé dans des vidéos. Voilà, un peu philosophe sur les bords, parce que j'aime bien réfléchir, raisonner. Faire mes petites théories dans la tête. Certains me disent complotiste. Bon, si le complotisme, c'est dénoncer les sales trucs du système, ben, je le suis. Après, je crois pas que la reine d'Angleterre soit un extraterrestre ou je sais pas quoi, il y en a qui le disent. Que la Terre soit plate, je sais pas, j'ai pas été vérifié. Mais il est possible que la Terre soit plate, comme il est possible qu'elle soit ronde. Bon, sinon, trêve de plaisanterie. Donc voilà, je m'étais dit que j'allais faire plusieurs chaînes et tout, une pour chacune de mes activités, donc j'en ai cinq du coup. Mais voilà quoi, les autres chaînes elles ne marchent pas, et puis moi-même j'y vais pas souvent, donc je vais les fermer et tout regrouper au final sur ma chaîne principale avec des. Comment on appelle ça encore? Des playlists, pas des séquences, des. Ah, je sais plus, quand tu arrives sur la chaîne de quelqu'un, tu as des. Des sections, voilà, il y a des sections. Donc voilà, je vais faire avec les sections et puis mieux agencer mes vidéos, faire de nouvelles playlists, effacer d'anciennes playlists. Voilà, que tout le monde puisse s'y retrouver et qu'on sache d'entrée que je fais tout ça. Et non pas seulement. Voilà quoi, et je ferai une bonne vidéo de présentation, bien montée aussi. Parce que je suis, voilà, je suis vidéaste aussi, à mes heures. Voilà quoi, en fait. En fait, je fais ce que j'aime. C'est difficile d'en vivre, mais j'essaie d'en vivre. Donc, je jongle sur mes savoir-faire, on va dire, sur mes savoir-faire, en me servant de mes expériences passées pour avancer dans le futur, tout le temps gardant les pieds sur terre. Même si j'ai parfois la tête dans les nuages, il faut toujours avoir. Voilà, si t'as la tête dans les nuages, faut quand même avoir les pieds sur terre. Tu vois? Voilà, donc là c'est une vidéo pas préparée au réveil, je sais pas, 7 h du mat, un truc comme ça, 7-8 h. Voilà, probablement pas à l'heure où vous regardez cette vidéo, parce qu'il faut le temps de la poster et tout. Ok, je vais mes lunettes encore. Vous savez, comme je vous ai dit, hein, je ne suis pas vieux, pas encore. Mais je suis tout jeune, donc je vois pas bien, pas très bien. Donc là, il est, je regarde sur mon ordinateur, 8 h 03. Donc voilà, j'avais à vous dire qu'en gros, hein, c'est donc ma chaîne YouTube en pleine restructuration pour que tout le monde puisse mieux s'y retrouver. Combien de minutes en suis-je? Presque 10 minutes. Bah écoutez, je poste cette vidéo et j'en fais une autre où je vais lire vos commentaires et y répondre. One love. J'ai les lunettes tordues, je le vois dans l'écran de retour de la caméra.
Je me réveille, je ne m'en voulais pas. Allez, one love.